Salut à tous, c'est Nguyen et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, je vous ramène, je pense que vous le voyez dans le décor, ça se voit un peu, même si bon, ça peut ressembler un peu à l'Allemagne. Mais aujourd'hui je suis à Amsterdam et je vous ramène avec moi. Voilà, je vais vous faire un peu découvrir cette ville qui est magnifique. C'est pas la première fois que je viens ici, c'est à Amsterdam, parce qu'en fait j'ai de la famille. Sauf qu'avec YouTube j'avais pas forcément le temps d'y aller, ça demande beaucoup de travail. Du coup là j'en ai profité parce qu'il y avait un mariage. J'y suis allé, j'ai pris 5 jours à Amsterdam. Je vais vlogger un petit peu, même si ça sera en famille. Et puis voilà, c'est parti. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Donc on est arrivé actuellement aux Pays-Bas. Est-ce que je kiffe aux Pays-Bas? C'est qu'il y a les maisons, elles sont collées, vous savez, à des sortes de petites rivières comme ça. Et c'est magnifique. Et j'ai une voix trop bizarre. Ils doivent se dire, mais c'est quoi ta voix là, trop chelou. En tout cas, j'espère que vous kiffez. Et puis, on se dit, oh bye, je vous laisse avec la reste du vlog. Bon les gars, actuellement, en pleine balade dans les rues, c'est mort. Genre, y a vraiment personne là. En même temps, on est le matin tôt. Y a personne. Que des voitures. Il doit y avoir 2-3 personnes qui passent en vélo, c'est tout. Honnêtement, ici j'ai l'impression qu'on est dans Call of Duty. On est dans une map zombie. Une maison. C'est stylé. J'ai très faim et là je vais chercher un endroit pour manger, un petit truc pour déjeuner. J'espère qu'il y a des bonnes spécialités ici, je sais pas, des trucs au Nutella ou des trucs bizarres que j'aimerais bien tester quoi. En tout cas, c'est beau. J'ai repris un peu de ma voix par rapport à hier. Hier je vous ai pas vlog parce que tout simplement quand je suis rentré j'ai dormi, j'ai mangé. Après je suis sorti le soir, mais le soir il pleuvait trop, je peux pas vlog. Je vais trop et bon, il se passait des choses bizarres. Hein. Bon, je veux pas dire, mais Pays-Bas c'est connu pour voilà, on va pas dire. Voilà, je vous laisse deviner dans les commentaires. Bon là les gars, actuellement je viens de sortir du coiffeur, je suis allé chez le coiffeur. Je vais pas vous mentir, c'était un coiffeur inconnu au bataillon. Ils étaient vraiment très gentils, c'est vraiment sympathique. Et il y a un truc que je savais même pas les gars, c'est que aux Pays-Bas, quand vous allez au supermarché, vous pouvez retirer de l'argent au supermarché. Par exemple, vous voulez retirer 20 euros. Et ben vous allez payer 20 euros et 10 centimes. Donc vous allez payer en fait une taxe de 10 centimes. Et eux, ils vont vous redonner en fait tout simplement 20 euros en cash. Si jamais vous êtes en galère et vous avez absolument besoin de liquide, ben vous pouvez faire ça dans les supermarchés. Alors est-ce que c'est tous les supermarchés qui font ça? Ça, je sais pas du tout. Mais c'est sympa. C'est sympa. Et franchement, ça m'a sauvé parce que je savais pas où retirer. Donc voilà, là, on est actuellement à l'hôtel. Au calme, à l'hôtel. Voilà, je suis avec mon cousin. Ça va? Ça va. Good. All is good. All is good. Franchement, le clavier pour moi c'est mon préféré, tu vois. Il est vraiment magnifique. Donc voilà de devant à quoi il ressemble. Voilà, donc je vous montre à quoi ressemble un clavier d'intérieur. Donc voilà comment il est. Il y a des petites lumières d'ambiance. On a les palettes au volant. Donc voilà, après bon. Il est juste magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà. On a un triple écran quand même. J'avais jamais vu ça sur une mer. Enfin, j'avais déjà vu. Mais sur celle que j'ai conduite, il n'y avait pas. Bon, là, les gars, je suis actuellement posé. En fait, tout simplement pour ceux qui se demandent d'où est-ce que j'ai trouvé ces supercars, ces belles voitures que vous avez vues juste avant. C'est juste en fait mon oncle qui a un garage. Du coup, tout simplement, voilà pourquoi j'ai toutes ces voitures. Parce que je peux vous dire, c'est pas à moi en tout cas. Là, il y a la 6.3. On est venu avec la 6.3 parce qu'en fait, avant on avait le clavier, mais le clavier est resté à l'hôtel. Et on a pris la 6.3 qui est magnifique. On est jusqu'ici. J'ai une petite surprise pour vous, les gars, parce que là vous avez vu la 6.3, le clavier. Déjà, c'est vraiment des véhicules de fou, de dingue. Mais là, les gars, là, on va passer sur une gamme. Au-dessus quoi, ça va être un délire. Ça va être un délire, je vous montre ça tout de suite. La petite surprise, souvenez-vous de ce garage précédemment. Il n'y avait que cette voiture dedans et en fait mon oncle il m'a fait une surprise. Il m'a dit, écoute, attends un peu et je vais te ramener quelque chose de très lourd. Je vous montre la clé déjà, Oh, attendez, faut que je la sorte. Hein. Voilà, je vous montre juste le devant pour ceux qui reconnaissent. Voilà, regardez, ça c'est la clé de la voiture. Je retourne.
pas si vous voyez. Magnifique. Donc je vais me retourner. Oh shit, 63 et à côté, Lamborghini Huracan. Hop, on fait ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez comme on est bas. On dirait pas comme ça, mais on est vraiment très très bas. Je pense qu'on peut régler tout ça. Je vais essayer de régler tout ça. Donc là ici on a un petit truc de son. On voit pas bien parce qu'il fait très nuit. C'est vraiment la première fois de ma vie que je monte dans une Lambo. Même si on l'a déjà vu ou quoi. Là c'est start and stop. Voilà, donc là je viens d'allumer. Je viens d'appuyer sur start and stop. Donc là, le truc c'est en train de se mettre. Start and stop, regardez. On fait comme ça. Shit, on a démarré. Oh là 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 là, vous entendez ou pas? Oh my god. J'ai ouvert tel bruit. Écoutez le bruit. Oh la vache. C'est quoi de ça? Voilà, là je suis en pause actuellement et je vais déguster mon magnifique coca qui est magnifique. Donc là en fait on est au dernier étage d'un magasin, en gros bah un peu pour ceux qui connaissent un peu les magasins, la Galerie Lafayette etc. Bah du coup là en fait c'est comme Galerie Lafayette mais version Pays-Bas. 4€ le coca, c'est bon quoi. No God. Non, en plus c'est même pas un 33 centilitres, c'est un 20. No. On va se balader les gars, c'est parti. En balade, hein, j'ai envie de dire, je suis tombé sur un magasin qui vend des donuts magnifiques. Je me suis dit, faut que je m'arrête pour m'en prendre un. Et je vais vous montrer, j'ai pris quoi? J'ai pris un donut avec des Oreos dessus. C'est un peu compliqué avec une main de vous montrer. Donc voilà le spécimen. Regardez, je vais le tuer. Actuellement au resto et j'ai commandé une pizza cheese qui m'a l'air pas mal. C'est une rue, il y a plein de restaurants. Et j'ai choisi une pizza parce que j'avais envie d'une pizza. Donc on est parti sur une pizza cheese qui ma foi m'a l'air magnifique, je vais la tuer. Et une pepperoni, en fait je vais goûter, c'est du bœuf et du kebab. Ça s'appelle pizza cheese. Là je suis en train de tester l'autre. Elle a un goût assez particulier. Un peu poivré comme ça. Mais je préfère largement celle-là. Celle-là elle est simple, efficace. Donc là les gars, on est actuellement à Di Wallen. Donc c'est un quartier en gros où vous avez plein de... Comment dire sans le dire. Ici c'est légal, donc en gros vous avez plein de cafés où tu peux consommer des choses un peu qu'on n'a pas le droit en France, on va dire. Et puis voilà. Donc là on se balade tranquillement, je fais un peu de shopping avec la MIF et ça fait plaisir. J'ai craqué sur une paire de chaussures, normalement je vous ai mis sur Instagram, je vous affiche le truc juste maintenant si vous avez validé ou pas. Je suis plutôt satisfait de mon achat, qui se trouve juste ici le petit paquet. C'est beau, il y a plein de magasins ici, c'est blindé, il y a beaucoup de touristes, ça fait plaisir. Amsterdam comme je dis, c'est vraiment pas la première fois que je viens ici. J'y allais tout le temps quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'avant YouTube, il y a 5 ans on va dire, je venais tout le temps. Et c'est très beau. Honnêtement, ça fait au moins 10 fois que j'y suis allé. Et j'y retournerai encore et encore parce que c'est une ville magnifique. Et je vous conseille vraiment
Amsterdam, c'est, en plus c'est pas cher,